tu fais? Regarde ce que j'ai trouvé. C'est une télécommande? Oui, j'ai trouvé ça dans cette vieille boîte. Mais non, c'est la mienne. Hé, hey, remonte ça, c'est à moi. Un super vent. Non, fallait pas. Merci. Oh bah si, c'est la moindre des choses quand même. Allez, viens. Allez. On va jouer, allez, c'est parti. Bon, alors, comment ça se passe avec Maldi? Ça va. Tu sais, dans le métier, il n'y a pas vraiment de routine. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 20 ans. À peu près, ouais. Et dire que depuis tout ce temps, t'as pas vieilli d'un poil. Alors que moi, regarde... On dirait une petite vieille. Dis-moi, c'est Maldi qui te maintient comme ça? Non, non mais ça va pas. Tu vas pas me dire qu'en 20 ans, il s'est jamais rien passé quand même. Et ben pour ta gouverne, tu apprendras que non. Maldi est un excellent agent, qui plus est un ami de valeur, mais ça s'arrête là. T'as bien raison, fais le mariner. Aux hommes, plus on les tient à distance, mais on se porte. Non, ça suffit là, les enfants. Mais c'est elle qui arrête pas mon métier là. Et alors, je veux rien savoir. Vous vous calmez ou je vous envoie dans votre chambre. Qu'est-ce que tu tiens? C'est une télécommande? Oui, j'ai trouvé ça au lac tout à l'heure. Au lac? Non, c'est moi qui l'ai trouvé. C'est pas vrai, menteuse. Mais... Bon bah salut, à la prochaine, et puis cette fois-ci, attends pas 20 ans pour m'appeler. Compte sur moi. Allez, salut, bonsoir. À la prochaine. Bonjour, Scholar. Bonjour, Maldi. Alors, ce dîner? Toujours aussi bizarre. Mon ami pensait que j'étais partie en mission d'infiltration pendant 20 ans, enfin, truc comme ça. Eh ben, j'espère que t'aurais au moins démantelé une mafia après autant de temps. Je pense que si j'avais disparu pendant 20 ans, j'aurais au moins ramené la paix dans le Moyen-Orient. Ou mis un terme aux émissions de télé-réalité. Peut toujours aider. Tu fais quoi? Je sais pas, j'ai l'impression que mon écriture diffère de d'habitude. Je vais chercher un café. S'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. J'ai comme une sensation déjà vue. Thank you.
Quelque chose ne va pas ? Maldi, j'ai l'impression que tout va de travers en ce moment. Quelque chose de quasi irréel. T'as rien remarqué d'étrange ? Si. Je suis pourtant sûr d'avoir mis un pantalon ce matin, ce que... C'est pas normal, Maldi. Depuis hier, tout va de travers, c'est... Tu peux te rasseoir, s'il te plaît ? Ah oui, pardon. Depuis hier, j'ai l'impression d'être sujette à des sortes de... faux raccords. Des faux raccords ? Oui, exactement, comme dans les films, quand il y a une erreur d'un point à l'autre. Genre ça ? C'est exactement ça. Comment expliquer ? Là, tu vois ? T'étais debout il y a encore une seconde ! Je m'en rends à peine compte. Parce que là ? Où es-tu ? Ici ! Je viens de me retrouver dans le placard à balai. Cette chose semble être de plus en plus violente. Mais qu'est-ce que ça peut être ? Peut-être des... Bordel ! Ça devient vraiment gênant. C'est comme si à chaque changement de plan, quelqu'un changeait les choses avec une... télécommande. Oui. Tu penses réellement que ça existe ? Oui. Mais j'ai jamais vu ça dans aucune étude scientifique. Hein. Oui. Il y a un problème là, on est d'accord. Oui. Télécommande. Il faut que je te montre quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin ? Un recueil de mythes et légendes du monde entier. Et quel est le rapport avec notre affaire ? Tu vas voir. Regarde, il s'agit d'une très ancienne légende aztèque. Il s'agit d'un artefact millénaire qui, une fois extrait de son coffret, provoquerait un chamboulement dans le monde, une sorte de fenêtre sur plusieurs réalités parallèles. La logique et loi universelle n'existeraient plus. Il est écrit que plus l'objet reste en dehors de sa boîte, plus sa puissance et son champ d'action augmentent. C'est une sorte de boîte de Pandore ? En quelque sorte. Cet objet, Jean Maldi, beaucoup de monde tuerait pour le posséder. C'est l'informateur, Ned ! Faux raccord ? Il me semble, oui. Mais comment un objet aztèque millénaire peut-il refaire surface de nos jours ? Nul n'en a entendu parler. Cet objet fut récupéré par les conquistadors européens, puis ramené en Espagne par bateau. Mais le pouvoir dévastateur de cet objet, bien que sans conséquence, effraya les grands seigneurs, autant qu'il les vexait. Il les vexait ? Essayez donc de tenir un discours galvanisant à vos troupes quand vous vous retrouvez à Walpé, sans votre armure. C'est gênant. Ouais. C'est vrai que ça doit pas être facile. Cet objet fut vendu pour une bouchée de pain aux Français en 1987. Qui prirent peur à leur tour et décidèrent de s'en débarrasser, dans l'endroit le plus sinistre et le plus désertique sur Terre. Où ça ? Au lac de Clairgoût, en Corrèze. Et j'ai bien peur que cet objet n'ait refait surface, et ne soit tombé entre des mains innocentes, déversant son incroyable pouvoir à travers le monde. Mon Dieu ! Vous en êtes sûr ? Tout à fait sûr. L'avantage, c'est que Clairgoût n'est pas très loin. Vous pouvez toujours vous renseigner là-bas, avec l'agence Keller. Par contre, je dois y aller. Bon courage, Jean Maldi. Maldi, j'ai déjà vu cet objet. Comment ? Tu dis ça pour te moquer de moi ? Absolument pas. Tu te rappelles l'ami chez qui je suis allée manger la dernière fois ? Oui. Eh bien, son fils m'a montré un objet similaire qu'il avait ramassé l'après-midi sur la plage. D'accord. Nous y voilà. Enfin. J'ai cru qu'on y arriverait jamais. Qu'est-ce que c'est que ce micmac ? Devine. Cette satanée télécommande est en train de tout détraquer. Je me demande si je préférais pas les faux raccords. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ont disparu ? T'as vraiment pas de chance. On serait mieux de se... Oh non, pas la passoire ! Salut Mathilde !
Hi, little boy. Where's the remote control? The one you found last time at the lake. In my habitation. Perfect. Lass umgehen. La voilà. Oh non! Me dis pas qu'on a changé de doubleur! De toute façon, avec les téléchargements de nos jours, on n'a plus le temps de faire un doublage correct. Y'avait pas un coffret avec? Si! Il était au port du lac avec. Ah! T'inquiète pas, on comprend. Mais montre-nous, s'il te plaît. Ça presse. C'était par là! Garde-toi, squelette! Quand même. Comment un si petit objet peut faire autant de dégâts? Skuller, s'il te plaît, tu peux te dépêcher. Parce que je vais pas tenir très longtemps comme ça. Pardon. Tu crois que ça a marché? Normalement, oui. D'après la légende, il suffit de remettre la télécommande dans le coffret pour que cesse son impact maléfique. C'est presque décevant, non? Ouais, je vois ce que tu veux dire. S'il est établi que la science peut expliquer pratiquement tout ce que nous avons pu voir au cours de nos multiples investigations, je ne vois aucune théorie scientifique pouvant étayer ou réfuter l'effet auquel nous avons fait face. Il est effrayant de se dire qu'il n'aura fallu que 2 jours pour que cet artefact déclenche autant d'événements aléatoires, laissant craindre ce qui se serait passé si plus de temps s'était écoulé. La puissance d'un tel objet ne saurait être contrôlée par l'humain. On peut considérer que cette télécommande fait partie des rares technologies qui seraient mauvaises entre toutes les mains, de par ses effets imprévisibles. C'est pour cela qu'avec l'agent Multi, nous avons décidé de nous débarrasser de cet objet dans un endroit tenu secret. Je fais quand même ce rapport, sachant pertinemment que je ne risque rien à dévoiler l'existence de cet objet, et à dire que je suis l'une des 2 seules personnes à savoir où cet artefact unique et inestimable repose à présent. C'est-à-dire au fond du lac où nous l'avons trouvé.